Ladoue, friandise au beurre et à la farine de pois chiche. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un ladoo. C'est une friandise indienne à base de farine de pois chiche. Ingrédients du ladoo: 250 g de beurre, 250 g de farine de pois chiche, 200 g de sucre glace, 25 g de noix de coco râpée, 50 g de noix ou d'amandes en poudre. Une cuillerée à café de cannelle en poudre. Donc vous faites fondre vos 250 g de beurre doucement. Faire attention qu'il ne brûle pas surtout. Une fois qu'il est fondu, vous incorporez la farine petit à petit. Et après, vous ne cessez pas de tourner pendant 15 à 20 minutes. L'odeur va embaumer la pièce et la texture, si vous voulez, va changer, va devenir bien, bien mousseuse et bien, bien lisse en même temps, quoi. Ça y est, on est arrivé à la fin de la cuisson. Donc la pièce est embaumée par l'odeur du ladou. Il a pris une belle texture et une belle couleur. Je vais incorporer maintenant la noix de coco. Je continue à tourner pour bien la délier. J'incorpore maintenant la poudre d'amande. Et je tourne. J'incorpore maintenant la cannelle. En dehors du feu, nous allons incorporer le sucre glace. Voilà, le sucre glace est bien incorporé, là. Ça vous fait comme une sorte de sable mouillé. On va attendre un petit peu qu'il refroidisse avant de le mettre sur un plateau. Voilà, le ladoo a été étalé sur un plateau. On va attendre qu'il refroidisse et après on va pouvoir le mettre au frigo ou au frais jusqu'à temps qu'il durcisse complètement avant de le couper en petits carrés. Là, je mets les ladous donc, qui ont été coupés dans une petite boîte en plastique. Et ils vont pouvoir se conserver au réfrigérateur pendant une bonne semaine, quoi. Enfin, des fois, ils n'ont pas le temps non plus de se conserver pendant une semaine, ils sont mangés avant. Allez, à bientôt dans une autre émission pour une nouvelle recette. Selon l'histoire des dieux de l'Inde. Krishna avait un ami pâtre nommé Mandu Mangala, qui était si friand de ladou qu'il en mangeait plus que quiconque et en redemandait toujours. On peut prendre ceci comme une indication pour préparer cette sucrerie en ample quantité afin que personne ne soit déçu.